Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire du cycle 2023 de la plateforme Innovation territoriale en action. Aujourd'hui, le thème est dédié aux entreprises et aux catalyseurs. Ensemble, accompagnons les projets de territoire. Alors, un petit rappel pour ceux qui nous découvrent cette année, ce qu'est la plateforme Innovation territoriale en action. C'est un lieu repère pour tous ceux, acteurs de terrain, qui souhaitent à la fois comprendre et ou expérimenter des démarches de co-construction territoriale. Et c'est une plateforme qui est pilotée, copilotée par le réseau des catalyseurs en partenariat avec la Fondation des Territoires. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette plateforme? Une multiplicité, une diversité de ressources, des parcours pour agir ensemble en territoire, la compréhension des besoins des territoires au regard de l'innovation territoriale. Donc, vous avez des outils, des méthodes, des webinaires. Il y a aussi la possibilité d'avoir une compréhension des profils de vos régions, donc ces fameuses dynamiques territoriales grâce aux études de l'Observatoire des partenariats. Vous avez aussi le lien avec le site officiel des catalyseurs territoriaux où ils se trouvent. Et enfin, des ressources complémentaires avec d'une part l'accès à une plateforme de capitalisation partagée qui s'appelle l'ODD 17 en pratique et d'autres ressources institutionnelles. Alors, au-delà de ce centre, de cette plateforme ressources à l'écoute des besoins des territoires, c'est une plateforme qui est également animée régulièrement par une série de webinaires. Alors, vous le voyez sur la frise qui apparaît à l'écran, on a des webinaires depuis 2019. Donc, en 2019, on a découvert ou redécouvert l'innovation territoriale. En 2020, on a parlé de l'ODD 17 en pratique en territoire. En 2021, on a décortiqué ce que sont les catalyseurs en pratique, qu'est-ce qu'ils font. Et l'année dernière, on a eu 6 webinaires pour faciliter les alliances territoriales au travers d'un outil de dialogue qui est la charte du Faire Alliance et 3 webinaires qui ont permis d'éclairer les trois principales actions des catalyseurs. Et cette année, on va parler de la 4e mission des catalyseurs qui est l'accompagnement, puisque 2023 est dédié à l'accompagnement des acteurs territoriaux dans les transitions au service des projets de territoire. Et ça va nous permettre aussi de comprendre la complémentarité à la fois des acteurs territoriaux et des catalyseurs. Alors, le cycle de webinaires, vous le voyez, il y en aura 6 dans l'année. Au cours de cette année, on va se poser la question de comment on mobilise les différents profils d'acteurs locaux au service des projets de territoire et on verra que comment, à leur côté, quel est le rôle et les actions des catalyseurs. Donc, 6 webinaires. Aujourd'hui, il va être dédié au lien entre les entreprises et les catalyseurs. En avril, ce sera comment on mobilise les acteurs académiques. En juin, les associations. En août, les citoyens. En octobre, les collectivités et enfin, en décembre, les investisseurs. Et évidemment, on n'oublie pas la rencontre annuelle du 4 juillet prochain. Alors aujourd'hui, quel est le planning, si je puis dire? On va voir 4 temps. Le premier, c'est le rameau qui nous rappellera les enjeux des entreprises et leur engagement territorial. Ensuite, on aura des éclairages croisés où on verra la diversité des engagements territoriaux des entreprises en lien avec leur écosystème local. On aura l'ORS, on aura les entreprises s'engagent et l'entreprise des possibles qui viendront apporter leur témoignage. Et troisième temps de ce webinaire, on aura le retour d'expérience du catalyseur, le PTCE, siècle qui se trouve à Montargis. Puis on terminera bien sûr par le rappel de la prochaine date du webinaire du mois d'avril. Donc sans transition, je me retourne vers Charles Benoît Hatzi, président fondateur Le Rameau, qui va nous parler des enjeux de l'engagement territorial des entreprises. Charles Benoît, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de venir partager les fruits du travail de la première étude d'impact de l'ODD 17 à l'échelle d'un pays et de ses 13 régions métropolitaines, puisque pour comprendre l'engagement territorial des entreprises, il faut la remettre dans le contexte des projets de territoire. Qu'est-ce que nous a donné comme information l'étude Impact menée de 2018 à 2022 avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts? Deux éléments d'enseignement essentiels. D'abord, entre 2015 et 2022, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'alliance plébiscitée par l'ensemble des acteurs, plébiscité par 74% de nos concitoyens, par 92% de nos élus locaux, par 83% de nos dirigeants d'entreprise, par 17% pardon, de nos responsables associatifs et 98% de nos fondations françaises. Et donc ça, c'est un premier élément. Nous sommes vraiment passés d'une logique de devoir, il va falloir devoir le faire, à l'envie de le faire, c'est-à-dire finalement du pourquoi au comment faire.
Et le deuxième élément, le deuxième enseignement, c'est que après avoir pendant plus d'une décennie qualifié et illustré la capacité d'avoir des impacts concrets sur la performance, sur l'innovation, sur la confiance, ce qu'a permis cette étude d'impact de l'EDD 17 à l'échelle de la France et des 13 régions métropolitaines, c'est vraiment de pouvoir mesurer très concrètement cette dimension-là. Et peut-être avez-vous déjà pris connaissance des résultats conclusifs qui ont été publiés avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts le 26 janvier dernier dans un cahier de recherche sur les leviers d'une transformation systémique. Mais je vous invite vraiment à le faire et peut-être avez-vous plus récemment encore écouté à 12h le live des jeudis de l'EDD 17 de Laurent Lémy sur qu'est-ce que sont ces projets de territoire et qui vous éclaire bien évidemment sur cette dimension extrêmement incarnée de cette capacité à faire alliance qui est aujourd'hui qualifiée, illustrée, mesurée, mais aussi plébiscitée par tous pour aller et répondre à nos enjeux systémiques. C'est dans ce cadre que s'inscrit la diversité des formes d'engagement des entreprises. Et je disais tout à l'heure, nous sommes passés des devoirs d'alliance à l'envie d'alliance. Il y a un chiffre qui est très significatif, qui nous le montre. En 2015, nous avions 36% des entreprises de plus de 10 salariés en France qui étaient engagées dans une forme de partenariat sociétal, quelle que soit la forme. Je vais y revenir sur ces quatre dimensions-là. Ce qui est important, c'est de voir que nous sommes passés entre 2015 et 2022 de 36% à 51%, 11 points de plus. Et nous avons l'habitude de dire avec l'Institut pour la recherche que nous sommes passés finalement d'un changement de la charge de la preuve a changé de camp, puisque si nous avions 36% des entreprises engagées, elles sont aujourd'hui 57% en France. Et ce qui montre bien que toutes les formes d'entreprises, nos TPE, nos PME, nos ETI, nos grands groupes, sont tous mobilisés et il ne s'agit pas d'une logique finalement de taille d'organisation, mais bien de typologie d'engagement. Et c'est là où je voudrais en venir, parce que ce que nous a permis de mesurer aussi cette étude d'impact, c'est les pratiques concrètes des entreprises. Il ne s'agit pas simplement de dire, encore faut-il faire. Alors, que font nos entreprises? Eh bien, elles sont 54% d'entre elles à pratiquer les pratiques responsables, celles qui vont impacter leur processus pour pouvoir finalement intégrer dans leur chaîne de valeur la capacité à pouvoir agir en coopération avec les acteurs publics, avec les acteurs privés, avec les associations, avec les acteurs académiques. Le deuxième pratique des entreprises à 28%, ce sont la coopération économique, la capacité avec des collectivités territoriales, avec des associations, avec des acteurs académiques, de pouvoir finalement faire évoluer son propre projet et voir même sa propre rentabilité en impactant directement son business model. Le troisième élément, la troisième pratique des entreprises à 26%, il s'agit de l'innovation sociétale, des partenariats de R&D sociétale qui vont là inventer ensemble des produits ou des services nouveaux qui ne peuvent être faits que parce qu'ils vont associer les complémentarités entre des acteurs de types différents. Et là, nous sommes bien évidemment dans une évolution de la proposition de valeur et c'est peut-être là où le bond a été le plus important entre 2015 et 2022. C'est vraiment cette envie des entreprises de s'engager sur vraiment la création de nouveaux produits, de nouveaux services en partenariat avec les collectivités territoriales, les associations, les acteurs académiques et les structures d'insertion par l'activité économique. Et le dernier élément, mais pas des moindres, pratiqué par 25% de nos entreprises françaises, c'est le mécénat, c'est-à-dire finalement, à travers un ancrage territorial, une capacité d'agir très localement, de pouvoir affirmer un positionnement et un véritable engagement au service, pas seulement de ses clients, mais aussi du territoire, de la société dans laquelle se trouve l'entreprise. L'entreprise n'est pas hors sol, elle ne l'a jamais été, mais on voit bien à travers cette progression des partenariats sociétaux qu'elle l'est de plus en plus. Les engagements des acteurs économiques se sont intensifiés et diversifiés depuis maintenant une décennie. Alors, pourquoi est-ce que cet engagement territorial des entreprises, il est particulièrement important de la mettre en valeur lors de ce
premier webinaire du réseau des catalyseurs territoriaux. D'abord parce que les liens entre l'entreprise et les territoires vont dans les deux sens. Mais surtout, et peut-être lorsque l'on parle de cette étude d'impact sur le DD17 en France, parce que ce que nous a révélé l'étude, qui était déjà le cas préalablement, mais plus encore dans cette dernière étude de l'Observatoire des partenariats, c'est que 68% des partenariats le sont à niveau local ou ultra-local, 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international. Et ça, c'est un point qui est très important parce que nous avons malheureusement trop souvent en France l'habitude de regarder le niveau national. Alors effectivement, on ne voit pas au niveau national réellement la progression de ces partenariats parce que ce n'est pas à niveau des accords cadres nationaux que les choses se jouent, mais bien en proximité avec la diversité des territoires. Et nous allons voir dans un instant des illustrations extrêmement concrètes. Alors la question qu'on peut se poser, c'est bien évidemment comment on accélère cette capacité à valoriser et mobiliser l'engagement territorial des entreprises. Et là, nous avons, grâce à la mission ministérielle conduite pendant 3 ans pour accélérer ces alliances d'intérêt général entre associations, entreprises, collectivités territoriales, nous avons travaillé sur 4 leviers essentiels, une forme de boussole de cet engagement territorial. La première, et peut-être la plus importante, celle que nous attendions tous avec grande impatience, c'est la reconnaissance institutionnelle de cette valeur, de cet engagement territorial des entreprises, non pas dans une logique normative, mais dans une logique de valorisation d'un engagement libre et choisi par les entreprises en lien avec les projets de territoire. Et cette reconnaissance institutionnelle, vous savez que la vitrine association.gouv.fr a aujourd'hui un espace, Alliance et Territoires, où sont régulièrement valorisés l'ensemble de ces engagements territoriaux. Le deuxième élément essentiel, c'est bien évidemment de montrer très concrètement à travers les mobilisations territoriales cette réalité et cette diversité de l'engagement territorial. Certains d'entre vous étaient avec nous le 23 février dernier à Clermont-Ferrand pour cette magnifique soirée où plus d'une quarantaine de réseaux d'entreprises étaient réunis pour réfléchir ensemble sur comment justement valoriser cet engagement territorial à l'issue d'une expérimentation menée avec la fondation RTE pendant 3 ans sur Clermont-Ferrand pour montrer justement cette richesse de la diversité des formes d'engagement et des formes de catalyse. Élodie en reviendra peut-être un peu plus tout à l'heure. Et troisième pilier extrêmement important dans notre boussole, c'est bien évidemment le partage entre pairs. Comment est-ce qu'on peut échanger avec cela? Et là, vous aurez le témoignage de l'ORS dans le cadre du groupe de travail Entreprises et Territoires que nous co-animons depuis septembre 2021 pour montrer à quel point la diversité de ces engagements sont riches, encore une fois, à tous les niveaux. Les PME, les TPE, les ETI et les grandes entreprises sont toutes mobilisées. Elles ne le font pas de la même façon. Il ne faut pas l'analyser de la même façon, mais c'est extrêmement important d'en tenir compte parce que c'est une réalité déjà là et c'est bien ce que nous montre cette étude d'impact. Enfin, last but not least, comme diraient nos amis anglais, c'est cette question de comment on outille les acteurs économiques au plus près du terrain. Les grandes entreprises sont déjà très outillées, mais comment pouvons-nous outiller nos TPE, PME et là encore, toute une série d'outils ont pu être mis en place. On peut penser aux données sur la fiche repère des dynamiques d'engagement des entreprises. On peut penser à la fiche pratique de comment faire, quelle méthode pour valoriser cet engagement territorial des entreprises. Et on peut penser aussi au parcours pédagogique Alliance et Territoires, dont ceux qui suivent les jeudis de l'D17 ont vu ce matin qu'il avait été totalement renouvelé. Et il y aura une annonce officielle la semaine prochaine sur 18 mois après l'expérimentation, ce nouveau parcours pédagogique Alliance et Territoires pour montrer que cet engagement de tous au service de l'accompagnement des territoires, de l'accompagnement aux côtés des collectivités territoriales, des projets de territoire, est une réalité déjà incarnée en France. Nous avions ce matin une réunion avec nos amis de la Réunion et du RNMA. Ça n'est pas qu'une réalité dans nos territoires métropolitains, c'est aussi une réalité dans nos territoires ultramarins. Donc tous les territoires sont concernés avec tous les acteurs et dans tous les domaines. Et il était important de pouvoir dire que l'entreprise n'est pas la dernière à s'engager, bien au contraire.
Merci Charles-Benoît, et on va en voir des exemples très, très parlants maintenant, puisqu'on passe à la deuxième séquence sur les éclairages croisés, donc qui vont montrer cette diversité d'engagement. Alors, pour commencer, premier éclairage, qui est celui du groupe de travail de l'ORS, donc l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, qui a traité des liens entre les entreprises et leur territoire. Alors, pour en parler, nous avons avec nous Brigitte Fargevielle, qui, à l'époque de ce groupe de travail, était membre trésorière de l'ORS et qui est directrice des relations institutionnelles et de la concertation du groupe EDF. Brigitte, est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce groupe de travail ? Oui, déjà peut-être quelques mots sur l'Observatoire de la RSE. C'est une organisation multipartie prenante qui accompagne la stratégie RSE dans les entreprises, les organisations au sens large. Elle tisse des liens entre l'entreprise, le monde associatif, les syndicats, pour coproduire des guides de bonnes pratiques. Et donc, nous avons été effectivement très heureux de participer à ces travaux parce que ça va faire l'objet de ces bonnes pratiques à partager. C'est un organe aussi qui permet de faire une veille sur la RSE au sens large, le développement durable et l'investissement socialement responsable. Il y a environ 100 membres issus de secteurs d'activité différents, de tailles différentes, en passant par les associations comme le Rameau ou Transparency International ou la Croix-Rouge, les fédérations professionnelles, les organisations syndicales. Donc, c'est vraiment ce concept de transition juste de la RSE qui est porté par l'ORS. Donc, cette collaboration, elle n'est pas nouvelle, hein, puisqu'on travaille depuis de longues dates avec le Rameau. Et sur ce sujet d'ancrage territorial pour les entreprises, c'est vraiment une question d'abord de crédibilité, ensuite de légitimité face à ses responsabilités. On sait que toutes les entreprises ont un impact sur le territoire et il faut effectivement en parler de manière transparente dans chaque territoire où les entreprises, où les acteurs opèrent. Au sein de ce groupe entreprises et territoires animé par le Rameau, on parle de cheminement accompli par les entreprises depuis 2 ans et ce sont de véritables réflexions de transformation en profondeur qui sont menées. Pour la présentation de Charles-Benoît a montré cette évolution et cette dynamique qui est d'abord locale avant d'être nationale, même si c'est des grands groupes comme celui auquel j'appartiens, l'ancrage territorial, il est d'abord local. Et ce groupe de travail a mis en exergue la phase d'interconnaissance entre les différents acteurs pour mieux se comprendre, mieux échanger sur ces pratiques et puis de construire cette relation de confiance au fur et à mesure. Ça a permis d'abord de dresser un état des lieux des pratiques et d'en mesurer toute la diversité et la richesse. Donc, la première réunion, c'était une approche sur les processus et comment l'ancrage territorial rentre dans cette chaîne de valeur. D'ailleurs, à EDF, on parle de création de valeur. Donc, on a franchi ce pas. Deuxième réunion à questionner sur les business models, sur les véritables coopérations économiques pour faire projet commun, en fait. La troisième, c'est a permis de regarder sur les projets, les services, quelle était la production de valeur, notamment en termes d'innovation sociale. Et la quatrième a permis de travailler sur le positionnement institutionnel et puis le mécénat, qui est un des moyens, effectivement, de s'ancrer sur les territoires. Et donc, cette vision à 360 degrés permet cette diversité et cette typologie d'alliance qui va faire l'objet de ces fiches à mettre à disposition pour partager chacun son expérience. Merci beaucoup, Brigitte, pour ce témoignage. Alors, du coup, deuxième éclairage qui est un petit peu différent, puisqu'on a avec nous Clara Michelini, qui est la directrice des partenariats et de l'innovation pour les entreprises S'engagent, qui va nous expliquer ce qu'est cette communauté d'acteurs engagés. Clara, c'est à vous.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup pour cette opportunité de vous présenter la communauté Les Entreprises S'engagent. Donc la communauté Les Entreprises S'engagent, ça naît d'une intuition qu'il faut mettre au service de l'intérêt général et des grandes causes, des grandes causes et des grands défis du siècle à venir, la force de frappe des entreprises. Cette intuition, elle naît grâce à des projets comme les catalyseurs territoriaux, grâce à tout ce qui a été fait sur ces sujets-là depuis déjà une vingtaine d'années. Et elle permet de dire, en 2018, il faut que l'État se mette aux côtés des entreprises pour répondre aux problématiques d'intérêt général. Et donc, l'idée, c'est de créer un espace de rencontre et de coopération entre, d'un côté, l'État, et de l'autre, les entreprises qui sont volontaires pour s'engager dans cette démarche aux côtés de l'État. Le constat, il naît aussi qu'il y a beaucoup de politiques publiques qui ont été mises en œuvre, beaucoup de dispositifs, et pourtant assez peu, finalement, d'impact et de bénéficiaires effectivement touchés, notamment dans le champ de l'emploi. Le premier sujet sur lequel la communauté s'est lancée, c'est le sujet de l'inclusion dans l'emploi, et notamment des personnes qui en sont le plus éloignées. Tous les dispositifs qui sont aujourd'hui mis en place par le service de public de l'emploi ne sont pas forcément connus des entreprises. Les entreprises, elles veulent recruter plus inclusif, mais elles ne savent pas toujours comment le faire. Avec qui, pourquoi le faire, pour quel impact et comment le valoriser. Et donc la communauté Les Entreprises S'engagent va créer cet endroit où à la fois on va sensibiliser les entreprises, pourquoi s'engager ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une entreprise engagée? Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? Qu'est-ce que ça veut dire construire un monde durable? Tous ces mots-là qui sont peut-être évidents pour certains grands groupes, mais qui sont un peu moins à l'échelle des TPE, PME, qui n'ont pas des services dédiés à ces causes-là. Et donc, souvent, ça repose sur un ou une dirigeante engagée et qui a envie de faire pour son territoire, mais qui ne sait pas toujours comment le faire. Et qui, par ailleurs, n'en a pas toujours les moyens. Il y a aussi un sujet financier. Donc, nous, on va apporter une offre qui est 100% gratuite pour les entreprises et qui va donc leur permettre à la fois d'être sensibilisées, d'être outillées et d'avoir directement les leviers pour passer à l'action. Et donc, on va organiser la mobilisation des entreprises autour de grandes causes. Ça a été le cas avec le plan Un jeune, une solution, que vous avez peut-être un peu plus connu à la suite de la crise Covid, enfin en tout cas du premier confinement. On avait un constat qui était que beaucoup de jeunes se retrouvaient sur le côté et se retrouvaient dans une vraie difficulté à la sortie de la crise, à la fois pour trouver un premier emploi, mais aussi pour trouver une entreprise qui pourrait les accueillir en stage, en apprentissage. Et donc, on a mobilisé les entreprises sur une politique publique qui était le plan Un jeune, une solution, avec des outils qui étaient mis en place par l'État pour faire en sorte que le chômage chez les jeunes soit moindre. Et donc, il fallait pour ça mobiliser les entreprises dessus. Donc, on a aujourd'hui avec la communauté cette véritable connexion entre à la fois les besoins de l'entreprise pour s'engager, de quoi elle a besoin, mais aussi ce que met en place l'État pour que ça se connecte. Et donc, cette forme-là d'alliance, hein, de coopération entre l'État et les entreprises, elle est assez novatrice et elle porte plutôt ses fruits parce qu'aujourd'hui, on est 70 000 entreprises qui sont engagées dans la communauté. Engagées dans la communauté, ça veut dire qu'elles ont pris des engagements très concrets, donc sur des programmes que met à disposition les pouvoirs publics, mais aussi tout un tas d'acteurs d'intérêt général. Je pense par exemple sur la question du mentorat, on travaille avec le collectif Mentorat, qui réunit toutes les associations qui permettent aujourd'hui de faire du mentorat. Et donc, on a cette coalition et cette alliance au niveau national. Et on a ensuite derrière 101 alliances départementales avec dans chacun des départements des clubs, les entreprises s'engagent, qui sont des lieux où on va répliquer le schéma national, mais à l'échelon du territoire, avec la présence d'un côté du service public de l'emploi, des services déconcentrés de l'État au niveau du département, qui sont sur ces questions d'inclusion, et de l'autre, les entreprises et réseaux d'entreprises qui, à l'échelle du territoire, ont envie de s'engager. De ces dynamiques locales vont naître souvent plusieurs projets. Ça peut être des projets de territoire. Je pense par exemple sur la question du rapprochement entre l'école et l'entreprise. On va voir dans certains clubs départementaux des
des formes de conseils qui vont se créer entre les entreprises du territoire qui embauchent souvent des jeunes venus de lycées professionnels et qui donnent leur chance à l'apprentissage, et de l'autre côté, les services de l'État, côté rectorat, qui vont échanger ensemble et donc du coup définir, bah, tiens, à telle période de mars à avril, on va avoir des besoins pour des stagiaires sur tel domaine. Quelles sont les entreprises qui recrutent, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour que nos jeunes puissent venir dans les entreprises découvrir les métiers. Et donc, on va avoir ce vrai dialogue qui va s'installer. Je vous prends cet exemple-là parce que c'est peut-être le plus simple à comprendre et finalement celui qui a le plus d'impact direct sur les bénéficiaires de l'engagement, qui vont être ces jeunes-là. Et on va avoir aussi des projets finalement d'entreprises qui vont naître parce que les entreprises se retrouvent dans ces clubs-là et vont dialoguer ensemble. Donc, on a ce vrai aspect communautaire, même si c'est une communauté qui, vous l'aurez compris, est ouverte à tout le monde. Hein. Vous avez envie de vous engager et vous venez déclarer vos engagements. Bienvenue dans la communauté Les Entreprises S'Engagent. Vous n'avez pas besoin d'avoir un secteur d'activité. Vous n'avez pas besoin d'avoir une raison d'être, d'être une société à mission, que sais-je, ni même une taille minimale de salarié. À partir du moment où vous voulez vous engager, vous avez de quoi le faire au sein de la communauté. Et donc, vont se naître finalement des rencontres à l'échelle du territoire entre entreprises engagées à différents stades, parce qu'on va avoir des entreprises qui sont très engagées, très matures sur ces questions-là, d'autres qui le sont un peu moins, et donc du coup elles vont apprendre l'une de l'autre, elles vont faire des liens, ça veut dire aussi des partenariats économiques qui peuvent naître entre souvent acteurs de l'économie sociale et solidaire et entreprises plus traditionnelles. Et donc c'est vraiment ça notre dynamique d'alliance finalement, c'est de se dire que on va faire se rencontrer tous les acteurs en présence de la vie économique au service de plusieurs causes d'intérêt général et avec les moyens de l'État. Et finalement, c'est une caisse de résonance d'engagement que les entreprises prenaient auparavant seules, donc prendre un apprenti en stage pendant quelques temps, faire de l'immersion au sein de son entreprise, et qu'elles vont prendre désormais avec le club à plusieurs. Et donc, du coup, on va vraiment... décupler, faire levier sur l'engagement à l'échelle d'un territoire. On a par exemple des entreprises qui vont proposer à des chômeurs longue durée des stages multi-entreprises pour que en une semaine, ils puissent découvrir plusieurs types de métiers et puis ensuite la formation qui va avec. Voilà, ça peut être des projets comme ça. Je ne serai pas plus longue et je vous invite à vous rendre sur... vous tapez « Les entreprises s'engagent » sur un moteur de recherche et vous pouvez découvrir aussi l'accompagnement numérique qui est proposé. Merci Clara. Je suis à disposition. Merci beaucoup. Et si vous voulez un témoignage très concret de l'importance de ce réseau et du très concret de ce réseau, je vous invite bien évidemment à contacter notre coprésidente du réseau des catalyseurs territoriaux qui suit en direct ce webinaire, puisque Frédéric Marquet, directrice adjointe de l'innovation du territoire Paris-Est Marnay-Bois, a non seulement engagé depuis 2018 ce type de démarche avec le projet VitaWin, mais en plus signé avec le territoire Paris-Est Marnay-Bois, justement un partenariat dans le cadre de ces clubs territoriaux, puisque les collectivités territoriales aussi sont des acteurs employeuses et donc ont le droit aussi de signer finalement cet engagement, donc ce lien entre catalyseur et démarche, qu'elle soit à l'initiative des acteurs publics ou qu'elle soit à l'initiative des clubs territoriaux. Vous voyez que c'est déjà une réalité très incarnée sur les territoires dans cette dynamique. Et en tous les cas, nous nous réjouissons vraiment de l'émergence de ce dispositif national, parce que cette articulation nationale territoriale au niveau de l'État manquait. Les acteurs de la médiation des entreprises, les acteurs des pôles mécénats régionaux avec le ministère de la Culture ont un rôle absolument essentiel. Il manquait vraiment cette coordination et on se réjouit de voir à combien elle est déjà très active. 70 000 entreprises, c'est déjà du très concret et on voit bien que cette articulation-là, elle est déjà maintenant très organisée. Merci Clara, merci Charles Benoît. Du coup, ça nous fait passer au troisième éclairage puisqu'on va voir comment à Lyon les entreprises lyonnaises s'engagent, et avec nous Isabelle Fieux qui est déléguée générale adjointe de l'entreprise des possibles. Isabelle, c'est à toi pour nous présenter l'entreprise des possibles. Oui, bonjour, bonjour à chacun. Alors, vous présentez aussi une illustration des entreprises qui s'engagent, et il y en a.
Alors, à Lyon, il y a maintenant 4 ans, plus de 4 ans, Alain Mérieux, qui est un industriel connu sur la place lyonnaise, a souhaité réunir le monde des entreprises privées pour pouvoir lutter contre le sans-abrisme sur la métropole de Lyon. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à monter l'Entreprise des Possibles, qui est un fonds de dotation qui réunit aujourd'hui 150 entreprises, qui rassemblent elles-mêmes 80 000 collaborateurs, et qui vise à apporter des ressources complémentaires aux associations qui sont sur le terrain, qui accompagnent les sans-abri et les personnes dans la précarité, pour leur apporter des ressources du bénévolat, des ressources financières, des dons en nature, et tout ce qu'on peut imaginer qui peut être le passage entre les entreprises et ces associations pour mieux les aider à accélérer, booster, grandir, en tout cas leur action. Nos priorités, c'est donc, je disais, les sans-abri et les personnes dans la précarité, et on met notamment l'accent sur les femmes seules ou les femmes avec enfants et les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, puisque les femmes représentent 40% des personnes dans la rue et que les personnes de la rue, pour 25% d'entre eux, sont issues de l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est des chiffres nationaux que fournit la Fondation Abbé Pierre. Alors, au bout de 4 ans, on a donc animé ce petit monde des entreprises qui continue à grandir petit à petit. Hein. On est parti de 22, on est à 150. On espère qu'il y a 47 000 entreprises sur la métropole de Lyon. On a encore un petit peu de marge. Et voilà, les résultats, c'est quoi? On a aujourd'hui 36 associations partenaires qui travaillent avec nous sur cet accompagnement et avec lesquelles on a un lien particulier pour être notamment à l'écoute des besoins. C'est pour nous extrêmement important. On a à peu près soutenu, pas en exclusivité, mais avec les partenaires locaux ou parfois en exclusivité, mais peu, 80 projets environ. Donc des plus importants et des plus petits, hein, c'est des soutiens qui peuvent être variés. Ces projets sont centrés sur l'hébergement et le logement. C'est pour nous notre priorité que, voilà, si on pouvait rêver qu'il n'y ait plus de sans-abri dans les rues de Lyon et les alentours, eh bien nous rêvons encore et j'espère nous y rêvons. Sur 2023, on va arriver à passer les 10 000 personnes aidées, voilà, et à peu près les 3 000 personnes hébergées, sachant qu'il y a 20 000 personnes qui cherchent un logement de façon stable sur la métropole de Lyon. Alors, c'est pas un chiffre complètement fou à surmonter puisqu'il y a 1,4 million de population sur la métropole, mais voilà, nous arrivons humblement à avoir en tout cas aidé avec ces 80 projets ces 10 000 personnes. On a collecté un peu plus de 4 millions d'euros. Voilà. Alors, on le collecte notamment par le mécénat financier, mais aussi par le don de congés payés des salariés des entreprises adhérentes, qui est notre modèle économique, et 75% de ces 4 millions viennent de dons de congés payés. Ça veut dire qu'on a animé ce don par les collaborateurs qui, finalement, bon an, mal an, s'engagent dans cette proposition qui leur est proposée. Et il faut savoir que l'ensemble, l'intégralité de cette somme est reversée sur des projets, puisque le fonctionnement de l'entreprise est possible est assuré par une vingtaine d'entreprises qui se sont engagées pour cela. Donc, c'est important aussi que cette somme-là soit vraiment reversée intégralement. Et puis, au-delà de ces quelques chiffres, il y a aussi une dynamique. Alors, la place lyonnaise est une place qui était déjà extrêmement dynamique au niveau de la solidarité, du fait d'une antériorité de l'action catholique chrétienne. Mais on a quand même beaucoup aidé à faire circuler de l'information autour de sans-abri. Il y a beaucoup de chiffres qui n'étaient pas forcément bien connus. Beaucoup de mutualisation de besoins. Et puis du travail de coopération entre entreprises et associations, bien sûr, mais aussi entre associations. Voilà. Alors on continue notre petit bonhomme de chemin à faire dialoguer toutes ces personnes-là et essayer vraiment d'être cette plateforme ressource entre entreprises et associations pour faire entendre à la fois les besoins et les propositions. Voilà. Et c'est donc notre travail. On est une équipe de 4 personnes, 4 permanents pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé dans les entreprises? On a aujourd'hui 47% des entreprises qui sont des entreprises de moins de 100 salariés. Donc, ça veut dire que pour les petites entreprises, ça a été vraiment de la RSE clé en main. Alors, ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, on n'a pas des ETI et des grands comptes qui nous ont rejoints, mais ça a été vraiment une attractivité pour ces petites entreprises qui continuent à nous rejoindre et avec lesquelles on fait un travail particulier parce qu'elles se sentent parfois un peu complexées par rapport aux grosses et aux grands comptes. Et justement, je pense qu'elles ont des choses très particulières à apporter sur lesquelles on commence à travailler depuis très peu, depuis quelques mois, pour leur donner un peu une couleur particulière.
Cet impact territorial, puisque tous les projets se développent sur la métropole, est important et les entreprises nous disent on en avait marre de saupoudrer de l'argent, des demandes de subventions. Et on sait sur quel projet ça va, sur quelle adresse, qui c'est que ça a concerné. On peut aller sur les lieux, on peut visiter, on peut rencontrer les associations. Et c'est pour nous tout un travail d'animation qu'on va bien sûr développer dans les années à venir et qui est extrêmement important. Elles ont besoin de concrètement de savoir à quoi ça sert et comment est utilisé. Donc, il y a une idée de performance et d'efficacité qu'elles recherchent. Et puis, en matière de ressources humaines, c'est quelque chose que le Rameau avait souligné depuis très longtemps, puisque j'y avais participé. Mais c'est vraiment un vecteur de sens pour les collaborateurs. Le Covid étant passé par là, ce sens est encore plus exacerbé, cette recherche. Et il y a vraiment de la cohésion d'équipe et de l'engagement sur lequel on est très content de pouvoir œuvrer sur le territoire. Alors, peut-être autre point, c'est comment on travaille avec les acteurs publics qui sont compétents pour notamment dans les périodes de grand froid, notamment les services de l'État et puis la métropole de Lyon et les collectivités, les 59 collectivités de la métropole, comment on travaille avec eux. Alors d'abord, les services de l'État, on travaille avec eux depuis l'amont. L'idée pour nous était vraiment de comprendre leurs besoins, de comprendre là où ils avaient besoin d'accélérer un certain nombre de solutions et de comprendre leurs contraintes et puis les injonctions contradictoires dans lesquelles ils sont parfois. Donc, on les rencontrait régulièrement. Moi, à titre personnel, je les connaissais précédemment. Donc, c'est dans une poursuite tout à fait naturelle qu'on a continué ce dialogue. Et puis, sur la métropole de Lyon, qui a une caractéristique puisqu'elle intègre le Conseil général sur le territoire de la métropole. Donc, il y a la compétence à la fois des mineurs isolés et des protections maternelles et infantiles pour les enfants. Donc, tout ça est réuni en une seule collectivité. On a un dialogue aussi extrêmement permanent, tous les 3 à 6 mois, pour écouter les besoins, pour cofinancer des projets, pour savoir où ça coince, qu'est-ce qu'on peut faire. Et maintenant, ils ont compris que, enfin, en tout cas, les demandes sont un peu systématiques et on répond ou on n'y répond pas, mais en tout cas, on reste dans un dialogue très constructif. Voilà, il y a même un projet de foncière sur la métropole de Lyon auquel on est en train de réfléchir comment on pourra collaborer. Donc voilà, donc il y a en tout cas un dialogue avec l'ensemble des acteurs, mais je veux dire, le territoire de la métropole de Lyon était déjà vraiment très, très, très favorable, je veux dire, à ce dialogue, et c'est plutôt un bonheur d'arriver avec ce travail-là. Je dirais qu'en conclusion, on est arrivé d'abord très humblement, parce que l'idée, c'était que, voilà, on est un acteur de plus dans ce paysage, et qu'on est arrivé de façon très humble, en se disant d'abord, on n'est pas les sauveurs de tout ça. On va pas avoir des solutions miracles. On savait pas si notre modèle financier allait marcher. Et bon an, mal an, voilà, on a essayé d'être dans la bienveillance, dans l'écoute, beaucoup la transparence et la communication de ce que nous faisions. Et je pense que ça a payé pour avoir aujourd'hui une certaine légitimité de notre présence sur le partenariat. Voilà. Donc ça, c'est pour nous important. Et puis de dire qu'on n'était pas concurrent, mais on arrivait plutôt en appui de ce qui se passait déjà. Voilà. Je pense que on a fait attention à ça et je pense que c'est vraiment une clé de réussite des démarrages. Et puis peut-être pour finir, il y a un essaimage de l'expérimentation Entreprise est possible qui s'appelle pas comme ça puisque on attend que les entrepreneurs locaux s'engagent pour pouvoir appuyer. C'est pas un essaimage direct d'Entreprise est possible, mais des territoires comme Toulouse, Marseille, Grenoble, Valence, Dijon, Lille, Nantes et peut-être d'autres. Voilà, se sont engagés dans un modèle un peu équivalent en changeant certaines priorités par rapport à nous, mais comment ça et peut-être même on réfléchit à faire un réseau mutualisé de ces fonds de dotation qui fleurissent sur les territoires et qui ont envie d'appuyer une cause. Alors nous c'est les sans-abri, d'autres ça sera les sans-abri et le handicap, d'autres ça sera autre chose. Mais je pense que cette coopération entre acteurs très divers est aussi intéressant et on a sûrement aussi des choses à apprendre puisque on essaye en tout cas de donner nos expériences et on a sûrement des choses à apprendre de leur part. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage. Et donc, on l'a entendu, hein, le lien entre l'entreprise et son territoire est extrêmement fort, hein, pour justement ancrer les entreprises au sein de leur territoire, puisque ce sont des relations à double sens. Et on a vu grâce à nos témoignages qu'il y a une diversité de modes d'engagement et qu'il existe déjà des dispositifs nombreux pour faciliter cet engagement. Isabelle vient d'en donner un exemple, et bien sûr,
le dispositif des entreprises s'engage, donc une multiplicité, une diversité d'engagements. Et maintenant, la question, c'est de savoir finalement, en appui de ces engagements, comment les catalyseurs peuvent être aux côtés des entreprises, notamment pour faciliter et accroître ces coopérations locales. Alors avec nous, pour en parler, on va donc donner la parole au catalyseur Ciel. Mais en introduction de cette séquence, juste de rappeler que cette ingénierie de catalyse est une ingénierie qui est en émergence et qui est très complémentaire de deux autres ingénieries qui existent, puisqu'il y a l'ingénierie de gestion publique, hein, qui est comment on gère les infrastructures au niveau local et comment on met en œuvre des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou locales. C'est aussi complémentaire d'une ingénierie de management de projet où l'objet, c'est vraiment de pouvoir mobiliser et coordonner des acteurs locaux autour d'un projet transverse. Et donc là, l'ingénierie de catalyse, elle a vraiment pour objet de pouvoir organiser l'interconnaissance entre les écosystèmes locaux qui ne se connaissent pas et de pouvoir finalement susciter des liens et des coopérations. Donc on parle même de l'ingénierie de la relation, ingénierie du lien. Et ces catalyseurs territoriaux, ils ont un rôle majeur d'appui à la fois auprès des acteurs publics et aussi auprès des acteurs privés, tout ça pour favoriser les liens et aussi les coopérations locales. Alors, les catalyseurs, ils ont quatre grandes modalités d'action. Ils peuvent organiser le dialogue territorial, ils peuvent être à l'impulsion, à l'évaluation d'expérimentations collectives, et certains aussi peuvent gérer des lieux. Ces trois modalités d'action, on les a décortiquées l'année dernière dans le cadre de nos webinaires de 2022. Et donc, comme je le disais en introduction, on va cette année se focaliser sur la quatrième modalité d'action qui est l'accompagnement. Comment les catalyseurs accompagnent les écosystèmes locaux, les acteurs locaux, dans leur capacité à être en alliance, à coopérer, à faire partenariat. Donc, c'est vraiment le cœur de notre sujet et c'est comme ça qu'on va pouvoir éclairer le rôle complémentaire des catalyseurs pour faciliter la mobilisation et l'accompagnement des acteurs territoriaux et en l'occurrence celui des entreprises. Alors, pour en parler avec nous, donc je vais donner la parole à Jennifer Clermont-Grillier qui est chargée de mission au sein du PTCE Ciel, qui va nous expliquer d'abord quel est ce PTCE et quelles sont ses pratiques justement pour faciliter les coopérations, faciliter l'engagement des entreprises, mais pas que. Il faut savoir que le PTCE est au sein d'un ensemble très divers d'acteurs. Jennifer, c'est à toi. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis Jennifer Firmin-Brier, je travaille pour Ciel PTCE Gâtinais-Montargois. Ciel pour circularité, inclusion et économie locale. Ça vous donne nos grands axes de travail sur le territoire du Gâtinais-Montargois qui se situe dans le nord-est du Loiret. Ce projet, il est né grâce à l'association Percé3C pour l'engagement, la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, collaborative et coopérative qui rassemblait les acteurs économiques pour les accompagner à anticiper les mutations et préparer la transition sociale et écologique. L'association Percé3C s'est engagée dans une démarche d'écologie industrielle et territoriale et à travers cette action-là a mené une action de collecte d'équipements électriques et électroniques sur une zone d'activité où toutes les entreprises ont fait don de leurs équipements électriques et électroniques à des acteurs locaux. Et grâce à cette action-là, on s'est rendu compte que ces acteurs locaux ne travaillaient pas forcément ensemble et que c'était vraiment dommage parce qu'il y avait un vrai potentiel de création de chaînes de valeur au niveau local. À travers cette expérimentation-là, où on avait envie d'appuyer cette coopération entre les acteurs pour créer cette chaîne de valeur, il y a eu l'appel à manifestation d'intérêt du secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire pour créer les pôles territoriaux de coopération économique. Donc, l'association Percé3C a rassemblé de nombreux acteurs du territoire, associations, entreprises, structures d'insertion, acteurs académiques, pour monter un projet autour de la circularité, de l'inclusion et de l'économie locale. Et nous avons été parmi les 15 lauréats nationaux en 2021. Notre rôle, c'est vraiment l'intermédiation sur ce territoire du Gâtinais-Montargois et de faire la connexion entre les différentes structures, avoir ce rôle de catalyse territoriale qui fait que grâce au PTCE, des structures qui font très bien leur travail chacune de leur côté vont pouvoir travailler ensemble pour créer encore plus de sens pour réduire les fragilités du territoire. On part toujours des besoins du territoire pour créer des actions de coopération qui seront une réponse à ces fragilités.
Ce qui est une force du PTCE, c'est son caractère un petit peu polyglotte. On peut parler aussi bien aux entreprises qu'aux associations, qu'aux collectivités. Et comment on fait tout ça? On se réunit une fois par trimestre pour faciliter le dialogue, favoriser l'interconnaissance, casser un petit peu ce qu'on pense évident. On croit savoir ce que font les uns et les autres. Finalement, en creusant un petit peu, on se rend compte qu'on ne les connaît pas si bien que ça. Et c'est vraiment important du coup que chacun explique son travail, ses actions, ses forces, ses faiblesses, ses besoins, ses enjeux. Et pendant ces réunions, au départ, de fin 2021, début 2022, c'était aussi expliquer la coopération et les intérêts de la coopération. Parce que l'habitude de travailler en silo amène des risques de fragiliser encore plus chacune des structures, alors que la coopération permet de réaliser de vrais projets de territoire ensemble, d'apporter une vraie réponse et du coup de renforcer les structures entre elles, les structures existantes. Le PTCE impulse des expérimentations grâce à l'interconnaissance du territoire et de ses acteurs et accompagne aussi sur la coopération. Parce que ce manque d'habitude de coopération, il manquait un acteur qui puisse faire le lien et donner confiance aux acteurs où aujourd'hui, les acteurs se rendent compte et le disent que grâce au PTCE, dans cet espace d'échange, le PTCE devient garant de la bonne coopération et que grâce au PTCE, ils sont assurés de pouvoir travailler ensemble et jamais les uns contre les autres. On travaille sur chaque petit frein qui empêche l'action en coopération des structures pour toujours faire gagner en confiance les acteurs et impulser l'action de chaque structure. Aussi, une autre des manières de faire, c'est d'inviter des structures qui ne font pas encore partie du PTCE à venir voir ce qui se passe pendant ces réunions et pendant des groupes de travail un petit peu plus spécifiques sur des actions plus précises, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité au niveau des actions et beaucoup ont besoin de voir un petit peu ce qui se passe et être rassurés avant de pouvoir s'engager dans des actions de coopération. Pour donner quelques exemples de coopération, donc on est en train de créer actuellement une chaîne de valeur locale donc sur les équipements électriques et électroniques pour avoir une vraie chaîne de valeur du réemploi jusqu'au recyclage avec des structures qui n'avaient pas du tout l'habitude de travailler ensemble et aujourd'hui ils sont vraiment très fiers et en demande de cette ingénierie d'alliance du PTCE pour favoriser cette coopération la plus intelligente possible et une action de formation de l'entreprise au quartier et du quartier à l'entreprise pour favoriser l'emploi. Voilà, donc il y a de nombreuses fiches actions qui sont en cours et il y a de plus en plus de confiance et de reconnaissance des structures pour cette ingénierie d'alliance qu'apporte le PTCE et de plus en plus d'intérêt de la part des structures de venir s'intégrer au PTCE pour cette garantie justement d'ingénierie d'alliance et de coopération, toujours en faveur du territoire où ils sont assurés que ce n'est pas des intérêts professionnels ou des intérêts personnels de personne à personne qui vont être mis en valeur, mais bien à chaque fois de recadrer sur quel est le projet de territoire, quels sont les besoins, quels sont les intérêts du territoire pour le développer. Et comment chacun peut y participer. Voilà globalement pour les actions du PTCE Ciel sur le Gâtinais-Montarban. Merci Jennifer. Alors peut-être n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, que ce soit à Jennifer bien sûr, mais aussi à Isabelle, Brigitte et à Clara. Donc moi j'ai quelques petites questions pour les unes et les autres d'ailleurs. Charbonneau peut-être aussi. Du coup. Salut Michael qui est là. Ah, j'avais pas Et vu. directement, celle de Michael Ah est ben voilà. directement en lien et avec une réponse toute simple, chère Jennifer. Quelle articulation avec le pays qui remplit pourtant les mêmes missions? Alors, le pays. Ah, le PETR, pardon. Du coup, le PETR, par exemple, on est facilitateur par rapport à toutes les autres structures.
Et par exemple, la semaine prochaine, on organise conjointement notre conseil d'orientation du pôle territorial de coopération économique avec le conseil de développement du PETR. Parce qu'il y a les mêmes acteurs qui ne sont pas engagés de la même manière au PTCE et au PETR. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même encore du lien à faire. Et le PTCE parvient à faire ce lien. Et on est en contact très étroit avec le PETR pour travailler sur toutes leurs problématiques. Et on est un acteur qui favorise ce lien pour fluidifier et faciliter toutes les interactions avec tous les acteurs locaux. Il y a une autre question, toujours pour toi. Comment vous établissez le diagnostic territorial? Grâce au dialogue avec les entreprises, les associations, les collectivités, où il y a les données de l'INSEE hein, qui reviennent très, très régulièrement, et ce que vivent au quotidien les entreprises, les associations, par exemple des entreprises qui ne parviennent pas à recruter malgré beaucoup d'actions, des associations qui sont toujours en contact avec des personnes sans emploi. On voit bien que c'est une des fragilités du territoire. De nombreuses entreprises qui parviennent pas à recruter et beaucoup de demandeurs d'emploi où, du coup, il y a une problématique de rencontre. Donc, cette fragilité-là, le PTCE va faire en sorte de la travailler avec une multiplicité d'acteurs pour savoir qui peut agir où pour créer quelque chose, inventer une nouvelle manière de faire pour réduire cette fragilité. Non. Si je puis rajouter un élément qui incarne bien ce que vous dites, hein, c'est que je pense que cette logique de comment est-ce qu'on favorise le dialogue, c'est-à-dire l'expression des besoins par les acteurs eux-mêmes et les données qui peuvent exister par ailleurs, c'est vraiment ce sujet-là. C'est-à-dire que finalement, souvent, on fait un diagnostic de territoire en ayant les données des territoires, des éléments factuels, et c'est très important. Mais finalement, ce qui est intéressant dans le cas PTCE Ciel, c'est vraiment de dire, mais comment on les fait parler, ces données? Comment est-ce que finalement, on met autour des acteurs pour pouvoir le faire? On retrouve un peu ce qu'a fait Romainville avec les récits de territoire à partir d'un ABS, où ils ont demandé à la Compagnie Générale des Autres d'avoir récit de territoire, c'est-à-dire comment les habitants vivent finalement ces données. Et je trouve que cette logique de l'articulation entre la donnée qui permet d'objectiver les choses et le dialogue qui permet d'en comprendre les spécificités est vraiment la caractéristique qu'on peut retrouver dans un PTCE comme Ciel ou d'autres catalyseurs territoriaux. Alors une dernière question pour le PTCE. On imagine bien qu'il y a une diversité de partenaires autour de vous. Est-ce que vous les avez quantifiés? Alors, je n'ai pas exactement le nombre en tête, mais on a quatre structures d'insertion, deux associations, trois associations d'entreprises. Et parmi ces entreprises, enfin ces associations d'entreprises, du coup, une multiplicité d'autres entreprises. On a, comme c'est l'association Percé3C qui porte le PTCE, il y a à peu près 70 adhérents et chacun agit ensuite selon son degré de maturité. Et à la fondation du PTCE, il y avait une dizaine de structures et qui vient régulièrement du coup à toutes les réunions et ensuite certaines qui travaillent sur des groupes de travail bien plus spécifiques. Juste peut-être un point qui est vraiment intéressant parce que nous avons eu le plaisir avec le fonds DD17 de vraiment accompagner cette émergence d'abord de l'association Percé3C et puis après du PTCE, de voir aussi la construction progressive. C'est-à-dire que finalement, ce qui a beaucoup bien marché à Montargis, c'est pas vouloir tout faire tout de suite, c'est vraiment le faire par l'exemple, hein, le learning by doing, j'allais dire, en partant d'un des acteurs qui était l'acteur économique, et c'est de la spécificité. D'autres PTCE sont partis de l'acteur associatif ou du projet de territoire. Là, c'était vraiment à partir de l'envie d'engagement des entreprises et progressivement d'aller travailler avec les structures d'insertion par l'activité économique, avec les associations mobilisant les bénévoles locaux, les acteurs publics comme le PETR. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant.
c'est comment ça s'est fait par sphère progressive. Parce que c'est toujours important, quand on présente ces éléments-là, de rappeler que ça ne s'est pas construit en un jour et que c'est vraiment par étapes que cette dynamique-là s'est mise en place parce que la confiance grandissait et que ça a permis finalement progressivement d'élargir le champ de l'entre-soi vers l'entre-tous. Alors Jennifer, il y a une question encore dans le chat sur la présence des collectivités. Je vous propose d'y répondre directement, comme ça, ça laisse le temps à Isabelle de répondre à Aurélie Reder de Metz Mécène Solidaire qui demande un peu plus d'explications sur le modèle économique du fonds de dotation. Ah, mais Isabelle, il y a le micro, voilà. Avec le son, c'est mieux. Ouais. Alors, l'entreprise des possibles, elle a aujourd'hui 27 entreprises qui assurent son fonctionnement et qui s'engagent par des périodicités de 3 ans pour assurer son fonctionnement. D'ailleurs, cette contribution-là dépasse même le fonctionnement de l'entreprise des possibles. On a quand même pas mal de dons, on est logé gratuitement, enfin, on a des ordinateurs par d'autres entreprises, on est aussi très aidé. Mais voilà, notamment la masse salariale, puisqu'on est 3 salariés, est financée par ces fondateurs, ce qu'on appelle nous ces fondateurs, ceux qui assurent les fondations et le fonctionnement. Voilà. Et puis, tout ce qui est projet et collecte pour les projets, c'est le don de congés payés qui est proposé aux collaborateurs, donc aux collaborateurs des 150 entreprises adhérentes. Alors, toutes ne sont pas encore engagées dans ce don de congés payés, mais on essaye en tout cas que le maximum le soit. Et chaque année, elles nous apportent donc leur collecte qui représente, quand nous on dit qu'on a réussi, quand 15% des collaborateurs ont donné dans une entreprise. Voilà. Donc, c'est le collaborateur donne 1 ou 2 jours de congés payés. C'est valorisé monétairement au niveau du salaire par l'entreprise, abondé par l'entreprise et versé à l'entreprise des possibles, qui reçoit une défiscalisation sur son abondement. Voilà, c'est ça le montage financier. On reçoit aussi du mécénat financier d'entreprise, mais on ne va pas le chercher, on n'en fait pas de publicité pour ne pas être en concurrence avec une association. Merci, voilà notre modèle. Très question très intéressante et qui nourrit les modèles socio-économiques, la diversité des modèles socio-économiques, ce qui me permet de faire une petite pub pour bien évidemment le webinaire de jeudi prochain, qui sera le webinaire mensuel sur les modèles socio-économiques et qui traitera du lien de l'articulation entre l'ODD-17 et l'ODD-4, apprendre à faire alliance. Et pourquoi je me permets de le dire quand Isabelle part? Parce qu'on sera encore à Lyon, puisque c'est nos amis de la Maison d'apprendre qui sont partenaires de ce modèle socio-économique. Mais c'est très important la question d'Aurélie, parce que quel est le modèle socio-économique réellement de cette ingénierie d'alliance est un élément bien évidemment stratégique et structurant. Nous sommes en train de modéliser les résultats du fonds ODD-17, qui pendant 3 ans a financé cette ingénierie d'alliance, dont le PT social a bénéficié. Et bien évidemment, vous aurez très prochainement les résultats de tous ces travaux, mais vous avez déjà un certain nombre de choses qui ont été déjà publiées dans les webinaires précédents. Et Rudy, je ne sais pas, en fait, la proposition, à qui elle s'adresse exactement, en fait? À Jennifer, peut-être? Sûrement. Pardon, je lisais non, sur le chat, du coup, je n'ai pas écouté. J'en étais pas complètement sûre, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer la prochaine date du webinaire, puisqu'on en arrive à la fin de celui-ci? Juste un petit mot que j'ai oublié de mentionner. Je pensais que Brigitte le ferait. Les fiches qui vont être issues du groupe de travail entreprise et territoire sont actuellement en cours de rédaction par des étudiants du CNAM. Nous avons pu mobiliser toute une équipe dans le Master 2 QSE et RSE. Donc, je me permets de les remercier et vous découvrirez ces fiches au prochain World Forum Convergence qui aura lieu début septembre, comme chaque année. Donc, encore un petit peu de patience. Mais si vous suivez l'actualité, vous verrez qu'il y aura un petit déjeuner d'ici là avec nos amis de l'ORS qui permettront d'avoir un premier aperçu de ces travaux qui seront publiés en septembre. Exactement, et on fera le relais. Alors, le webinaire se termine. Merci à tous d'avoir participé. On vous donne rendez-vous donc le 13 avril cette fois-ci pour écouter la mobilisation des acteurs académiques et leur lien avec les catalyseurs. Et c'est toujours à 13h. De 13h à 14h pour nous écouter. Merci beaucoup, merci à toutes nos intervenantes de votre participation, merci aux participants de leurs questions toujours pertinentes et on vous dit très bonne journée et au mois prochain, ça va vite arriver. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir. Merci.